Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo un peu délire sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Alors ce que vous voyez là, c'est des petits matchs amicaux qu'on a fait avec un ami sur le live. Donc cette petite vidéo pour vous dire que le jeu, est-ce que je conseille de l'acheter? Franchement, si vous n'êtes pas un fan, un énorme fan de la série, ça vaut pas vraiment le coup de l'acheter, sauf si vraiment vous avez... vous en avez marre de tous les autres jeux, vous avez envie de changer un peu de style, etc. Le jeu, il a vraiment pas changé depuis Storm 3, on peut pas dire, à part juste sauf dans la mécanique de combat, qui sont un peu améliorées. On peut faire appel au soutien, là, comme vous pouvez le voir dans les combos. Ça permet de brûler les permutations plus facilement, on va dire que ça avantage le taijutsu, mais bon, le combat à distance peut aussi être avantagé par ça, donc bon. C'est plutôt équilibré, on va dire, c'est plutôt réussi, mais aucune grande avancée, quoi. Je veux dire, c'est toujours les mêmes. Le même gameplay, les mêmes maps, etc. Mais ça reste quand même. Bon, en ligne. Là, c'était mes premiers combats en ligne, donc je pourrais pas vous dire si ça laguait trop, s'il y a trop de problèmes de connexion. Bon, on m'a dit qu'il y en avait beaucoup. Nous on en a eu quelques-uns, comme vous pouvez voir. Bon, bah, c'était pas très très méchant, franchement ça empêche pas de combattre en ligne. Et le mode histoire, alors le mode histoire, j'ai été très déçu jusqu'à la fin, parce que évidemment la fin, on a quand même la fin de Shippuden, donc la fin de la série, donc on est quand même vachement spoilé, on a presque quasiment les épisodes, enfin on a des bouts d'épisodes, on va dire, qui n'ont pas été diffusés, qu'on a juste vu en scan, donc ça c'est plutôt sympa. Si vous voulez, je pourrais vous les mettre, les derniers épisodes de la série, comme ça vous pourrez voir la fin de Shippuden, enfin une partie de la fin, c'est quand même assez sympa, et puis le combat final est quand même... Et quand même assez sympa, je pense que ça va. Ils vont consacrer beaucoup d'épisodes pour le dernier combat, évidemment. Et puis ça nous donne aussi une petite idée sur la suite, on va dire, de la série. Donc voilà pour Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Bon, ce qui est cool avec ce jeu, c'est qu'on rigole toujours. Franchement, c'est un jeu super rigolo à jouer entre amis ou même en ligne. Bon, si vous êtes. Un peu motivé parce que bon, il y a de tout en ligne, mais il y a aussi des bons joueurs en ligne, donc voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé les petits combats avec Phoenix. Bon, évidemment, j'ai pas mis que des victoires, j'ai mis les meilleurs moments, et puis à la fin, j'ai mis une petite victoire épique du 4e Hokage. Voilà, à plus les abonnés, ciao. Oh là là.
Tu peux essayer de me laisser faire. Ah, ça c'est clair. Allez, c'est parti. やっせ。
Oh, c'est pas possible. Il fallait trop cheater, c'est pas possible. Alors moi je crois que je vais l'enregistrer moi. Ouais, c'est trop épique.